Bonjour à tous, c'est Nicole Ch'ti avec son guerrier Nicole Ch'ti sur Guild Wars. Et aujourd'hui, chapitre 7. Oui, chapitre 7, hein, des aventures sur prophétie qui sera les portes de Crit. Au chapitre précédent, il y a eu du drama. Rurik est mort à la porte de Jive, mais comme vous voyez, qui se bat sur mon écran, on a toujours l'âme de Rurik avec nous. Pour se souvenir, hein, n'oublions pas Rurik. On va commencer tout de suite. Hein, on a enfin traversé les Symphorates Nord et là on se retrouve aux portes de la crypte pour rejoindre l'Arche du Lion et trouver un endroit pour les réfugiés d'Ascalon. Donc on commence tout de suite. Alors là, notre mission, c'est rentrer en contact avec les autorités de l'Arche du Lion. Et normalement, mon écran, on a entendu que ça se fait attaquer de tous les côtés. On va aller chercher Gourik. Parce que ça fait partie de l'objectif bonus, mais bon, Gourik pour moi c'est Gourik quoi. Et ici vous voyez, on attaque nos premiers morts-vivants. Donc là ce sont des squelettes hein, principalement, et des ghouls, des sans-âme. Donc là il y a Olias qui ne pourra pas faire trop de... Et là, ça court ici encore. Hein. Ici, je me rappelle, je venais avec mon moine en 55 points de vie. Et en fait, je farmais toute cette zone pour avoir du gold. Parlant de ghouls, voilà les ghouls. Donc il y a toutes sortes aussi, hein, des envoûteurs, des guerriers, des moines. Donc hein, les six professions sont représentées chez les morts-vivants. Et là, normalement, si mes souvenirs sont bons, on a un premier boss qui devrait arriver. Donc il est là, ici, et qui devrait arriver. Alors, pour revenir aux portes de Givre, il est dit que en fait les portes de Givre étaient le seul endroit sur Antiri qui depuis la fin de la guerre des guildes entre à côté Ascalon qui a été ravagé par les chars et Or qui a été englouti, c'était florissant où pouvaient vivre les humains. Voilà. C'est ce qui est marqué sur les textes, hein, et sur le wiki, bien sûr. Donc là, on a toujours pas encore pas mal de... Hop, on va taper les rôdeurs. Normalement, c'est par là, hein, c'est pas... Donc là, il y a pas mal de mobs. Vous voyez, il y a beaucoup d'envoûteurs qui font pas mal, donc on gagne toujours 0 XP. Même s'ils sont niveau 13, hein, avant, on tapait des mobs niveau 10, tout ça, maintenant, on tape... du 11, du 13. Jolie bataille là. Ouais, l'eau ici, normalement, si mes souvenirs sont bons, voilà, elle est empoisonnée. L'eau est empoisonnée, il faut pas aller dans l'eau. On a toujours Gourik avec nous, Gourik. Coucou Gourik. Donc les blasons abîmés d'or, un coupon lunaire, hein, on est toujours sur la période du nouvel an kantien.
On va voir, c'est notre route hein, vers la porte de Crete. Hein. Donc l'Arche du Lion est ici. Si je dis pas de bêtises par là. Et donc on va suivre le chemin. Et on arrive, voilà, pas loin de l'Arche du Lion. Avec des squelettes toujours qu'on va taper. Hop, on va prendre les deux groupes. Vous voyez, à niveau 14. On voit aussi qu'on est toujours un groupe de 6. Mais le groupe de 6, il va durer très longtemps. Il va durer très longtemps, il y a encore toute la jungle Maguma à faire, tout le désert à faire, et seulement après on pourra passer un groupe de 8. Donc on va aider notre ami la garde du le blanc manteau, on fait la connaissance avec le blanc manteau. Une sorte de divinité, le chevalier du blanc manteau, et on avance. Donc là on arrive à une sorte de petit village, normalement c'est marqué, non, il y a toujours Gouric. Voilà, il y a le justicier ici à qui il faut parler, donc on arrive normalement, on dépose Gouric ici, non, il y a un enfant. Voilà, historien d'or. Voilà, tu crois que mon conchon me va bien? Et voilà, on a ramené Gouric. Gouric, t'es où Gouric? Il est pas mort, voilà. En fait, c'est une première partie, en fait, il fallait ramener Gouric. Et en fait, ce PNJ nous donne une quête, c'est aller chercher un écrit qui a là-bas, un texte. Mais il semble que le texte, la porte ne s'ouvre pas tout de suite. On va aller parler directement au justicier Torimo, voir ce qu'il a à nous dire. L'accès à l'Arche du Lion est interdit sur ordre du justicier Ablion. Il est parti s'occuper d'une invasion de morts-vivants dans le sud. D'accord, bon, on va traverser la plage. Normalement, ça devrait s'abaisser, si je me souviens bien. Quand on arrive, ça devrait... Non. Ah si, non, on passe par là. C'est l'autre porte à côté qui est ouverte. Donc vous voyez que le blanc manteau a des quelques soucis avec les morts vivants hein, qui font leur misère hein, bien avant Zaitan hein, bah, c'est pas les mêmes morts vivants de Zaitan hein. Ça n'a rien à voir avec Zaitan encore hein. Ce sont pas les mêmes morts vivants. Donc là, des mergouilles, une sorte de gargouille envoûteuse et élémentaire d'eau. Donc, un groupe de mergouilles ici, une mergouille là-haut. Voilà. Vous voyez, les mergouilles, les envoûteurs, ils envoient chaîne spirituelle qui enlève 5 points de magie à chaque fois qu'on tape un mob. Donc j'ai pas pu lancer le saccage collectif. Donc il faut aller par là. Oh, on va éviter le groupe de gargouilles qui est ici. Et on va rencontrer les éclaireurs. Tu me mets au manteau.
sont au pire, hein, comme vous voyez ici sur le radar. Il y a les squelettes qui sont en train de taper les miragouilles, mais ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, apparemment, tout a été prédit. Le retour des morts peut ne signifier qu'une chose. Les derniers jours de la prophétie sont proches. D'accord. Donc, on part enfin de prophétie. Donc, on va taper les sorciers squelettes avec un boss envoûteur qui apparaît. Je me suis trompé de touche. On va taper au non level. Donc ces mobs, hein, ils drop des blasons abîmés d'or. Donc là ce sont aussi des morts vivants d'or. Mais je ne suis pas sûr, ils sont pas contrôlés par Zaitan, hein, sur prophétie, on le verra plus tard. Donc là on arrive avec les blancs manteaux. Voilà, le justicier Albion. Coucou justicier. Coucou justicier. Vous arrivez en Crete à un bien mauvais moment. Je n'ai pas le temps pour les longs discours. J'irai droit au but. Aidez-moi à combattre ces morts vivants, et je vous laisserai entrer dans l'Arche du Lion. Bon bah on va aider Justicier Albion. Le Blanc Manteau, ça n'a rien à voir avec les Gardes du Lion, hein, c'est une autre faction. Donc la Garde du Lion est spécifique à la protection de l'Arche du Lion, et il y a le Blanc Manteau qui est spécifique à la protection de la Crete. En tout cas, Albion, il se moque pas trop, hein, à l'arc. Donc, on va taper le zombie sorcier. On va relancer un coup sur le saccage, un coup la fureur guerrière. C'est ce que je me disais depuis tout à l'heure, il manquait un truc. L'âme de Rurik. Voilà. Avec nous. Sans Rurik, je ne peux pas combattre. Pour Ascalon. Bon, on va continuer à suivre Albion. Hein, je le rattrape. Je cours plus vite que toi.